Salut les Oreos, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Unravel 2, c'est la partie 3, et puis je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus. Écoutez, si vous étiez là avant, les vrais savent où est-ce qu'on en est, donc il n'y a pas besoin de résumer, mais en gros on est deux pelotes de laine et on voit des lumières hallucinogènes. Ok, on arrive ici. Ok, du coup, le chapitre 3. Chapitre 3, donc on va monter... Il y a une machine de l'enfer, c'est quoi ça? On va pouvoir monter à l'étage. Ah, faut monter? C'est un ascenseur, tu vois? Ah oui, c'est un ascenseur. Léa, elle connaît déjà, en fait. D'accord, on aurait dit qu'elle a déjà joué. On aurait dit qu'on a totalement déjà joué et qu'on a juste oublié de lancer le rec. De l'écran. Ah, mais c'est bizarre. Little Frog, chapitre 3. Ah, oh, je savais déjà que ça s'appelait Petite Grenouille, c'est incroyable. Du coup, nous arrivons au chapitre 3. Donc, c'est à l'extérieur, il fait beau, contrairement au niveau d'avant où il faisait nuit et il pleuvait. Eh ben, tu sais quoi? De voir des métaux comme ça jolis, ça me fait chaud au cœur. Parce qu'on est confiné en quelque sorte, ça fait du bien. Ça fait du bien. Le soleil nous a manqué, on a pu constater que le soleil était revenu en France. Et ça... Enfin en France, à Lyon il fait beau un jour sur quatre. Maintenant on connaît par cœur un peu les principes de jeu. Vas-y, saute dans le vide. Et je te tiens. Ah. Ok. Oh. dans ce gameplay là, on essaiera de pas se mettre sur la gueule. Promis. Je promets rien moi parce que je sais qu'à tout moment ça va déraper. Mais attends, mais ça sert à rien de faire ce qu'on a fait en fait. Bah si, parce que là regarde, je suis bloquée là. Et en plus lui il continue sans moi, ça y est, la baston a repris. La baston a repris. Attends. Oh, elle veut faire d'elle-même, elle veut pas que je l'aide. Bah ouais. D'accord. On est tous les deux tombés. Hein. Mais... Alors là, on peut pas marcher sur la branche. Lâche-moi. Oui. Attention, on va dire. Ah, c'est tellement satisfaisant. J'ai envie de faire ça dans la vraie vie. Viens, je te tire. Ouais, mais moi, j'ai peur de me faire bouffer par... Oh, regarde le petit truc. Finis tes phrases. Mignon. Vraiment, tu finis jamais tes phrases. J'ai peur de me faire bouffer. Oh, c'est trop mignon. Personne ne saura jamais ce qu'elle voulait dire la phrase d'avant. C'est parce que je suis quelqu'un de mystérieux. Ouais. Oh, c'est trop bien. J'aime trop les ballons comme ça. Qu'est-ce que j'ai pu casser les pieds à mes parents pour m'acheter des ballons à chaque fois qu'on allait dans un parc. Et le pire, c'est qu'en général, je voulais crever le ballon pour faire un petit voir comme ça. Pour respirer l'air qu'il y a dedans. C'est horrible au final. Ah, est-ce qu'on est dans la maison de vacances Ah. Ah non, les démons reviennent. Les petits ont très peur. Et on sait pas de quoi ils ont peur, mais en tout cas, ça fait peur. Et ça fait beaucoup de mots peur. Ça fait beaucoup peur. Ah, regarde, il y a une grenouille. Oui, c'est la petite frog. Oh, damn. Oh my god, cours. Oh my god, cours! Oh, c'est stressant là! Ah, t'es passé devant moi? Cours! Mais. Ne t'arrête pas, Michel! Il est mort. Ok. Oh my god, cours! Ah, c'est flippant. Vite, c'est du speedrun là, du vrai de vrai. T'es remort? Ben. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je suis stressé. Ah, ok, c'est bon, on a passé le truc. Il y avait une petite branche où on pouvait s'accrocher tout à l'heure. Je sais pas si t'as vu. Du coup, on s'est pas accroché. Elle était juste avant la branche. On était clairement en train de fuir des ennemis. Pourquoi on retournerait sur notre petite papate? Juste là. Ah oui. Faut pousser la caisse, je pense. Ah non, on peut pas. Ouais, c'est bizarre. Ah, regarde, j'ai réussi. À cause de ça. Ça sert juste à rien. Mais dites pas ça. Oui. Coup dur pour Axel. Ben... Oh, regarde, la maison, elle est détruite. La maison est détruite. On dirait c'est un vieux truc de boys band, là. T'as vu, il y a une guitare et tout. Ah oui, mais c'est un... Oui, c'est genre le... Comment dire? C'est une petite scène. Hé, hey, touche pas à la fée clochette, toi. C'est bizarre, parce que les souvenirs, parce que j'imagine que c'est des souvenirs, les personnages qu'on voit, ils arrivent à jouer avec cette sorte de lumière qui nous guide, nous. C'est bizarre. J'arrive pas trop à savoir pourquoi. Pourquoi ils peuvent le faire. Ah, j'ai compris. Faut que tu montes, que non. Tu m'aides. Descends. Vas-y. Moi, je monte. Ouais. Mais ça change quoi? Attends, laisse-moi réfléchir deux secondes. Sauf si je passe par là. Ah. Ah si, c'est ça, regarde. Oh, c'est exactement ça. Vas-y, passe, toi, à gauche. Hop, et comme ça, moi, tu pourras me tirer. Oh.
Oh, mais ce génie! C'est oh smart! Putain, je suis waouh! On sait qui c'est qui a gagné le test de cul. Hein. Le mec, il est beaucoup trop dans l'excès. C'est un jeu, c'est pour les plus de 8 ans. En fait, c'est marrant, on dirait que les petits sont revenus sur les traces de ce qui s'est passé. On retourne dehors. Moi, j'ai vraiment envie de comprendre. J'espère qu'on va comprendre quand on aura fini le jeu. Ok. Ah, regarde, oui, il y a une accroche. C'est dommage parce que le temps commence à se... Je suis morte. Le temps commence à se gâter. Le temps commence à s'assombrir et quand j'ai dit ça, il y a un méchant qui m'a tué. Vite! Pourquoi il y a un truc en haut? Vite, Axel. Attention! Non, faut recommencer. Ah mince, pardon. Eh, il nous suit en plus, là. Mais ouais, il fait peur. Laisse-nous tranquille, esprit malfaisant. Ah, mais purée, il me suit! Ah, t'es mort. C'est des nouveaux esprits malfaisants. C'est des esprits qui suivent. Avant, il n'y avait pas ça. Moi, je suis... On dirait un charreau dans la rue. Tu me colles pas comme ça, ok? J'ai le droit à ma liberté. La liberté de penser. Pourquoi il nous en veut, par contre? Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est trop... Mais il me suivait, je pouvais pas m'en débarrasser. Et toi, t'étais trop loin. Oh, on est passé. Ah, c'est bon, alors. Voilà, ça c'est le gameplay par Alena et Axel. Oh regarde, il y a des cerfs, des élans. Des élans. En fait, faut monter sur la branche, elle est juste au-dessus. Ouais. Oui. Vas-y, tu veux que je saute ou je saute? Je saute. Ouais. Ils nous suivent là. Attention, tu vas mourir. Oh my god, vite, ils vont nous brûler les fesses. J'ai bien vu. Oh mon dieu, mais ça fait peur. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop stylé. C'est champ max. Oh, c'était quoi ça? C'était un papillon. Un papillon. C'était un papillon. Ça, c'était un papillon qui s'est envolé à cette vitesse là. Bah oui, c'était un papillon. Un papillon. C'était pas un papillon. Attends, claqué. On va vérifier. C'était une hirondelle, le truc. C'était un c'était un pivert. C'était un quoi? Aigle royal. Tu vois, c'était un papillon. Non, mais le truc qui a fait. Il y avait une Formule 1, un avion de chasse qui est passé. Oh, c'est un papillon. Oh, la musique. Oh, oh. Yeah, yeah. Ha, ha. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ah bah ouais, ils sont attaqués par un papillon. Ah, mais c'est nous-mêmes qui... Oh my god, là, non, c'est un papillon. Ah. Arrête. Ah, mais il me bute, le truc, là. À quoi ça sert? Ah, c'est un caillou. Il me suit, moi, le dindon, là. Ah, mais non, mais pourquoi? Viens vite, monte. Mais je pouvais pas. Oh, il t'agraille. T'es prête? Oui. J'avais pas vu en fait qu'on pouvait s'accrocher en haut. Moi, je suis descendue... En bas? Oui. Après, tu peux pas descendre autre part qu'en bas. Donc... Ah non, il est encore là. Mais il m'a buté. Il est en train de me picorer, t'as vu? Oui, j'ai vu. Non, deux secondes. Mais je sais. Faut que je l'attire. Salut, dindon de la farce. C'est bon, tu l'amadoues, je peux passer. Ah, par contre, je sais pas si le son, ça bug aussi pour vous, mais ça n'a aucun sens. Hein. Moi, ça me fait... Ça fait un petit pout. Mais je crois que c'est le bruit du dindon en fait. On va dans des troncs d'arbres. Mais il est encore là le dindon de la farce. Oh, il t'a becté comme Jaja. Faut que tu l'attires. Ah, regarde-moi. Ok. Toi, attire-le. Mais pas par là du coup. C'est bon, voilà, c'est bon, tu peux maintenant aller là-bas. Eh mais il est encore là. Quoi? Ah, il s'est rétamé la tronche. Ah, j'ai cru qu'il était mort. Je me suis dit, il est pas, regardez, il peut pas mourir. Regardez-le tous. Il a failli te becter. Il a failli m'avoir par le bout du bec. Excellent. Regarde, Axel. La lumière hallucinogène. Non. Mais il est encore là. Ah, purée. Oh, le portal. Ouf. Ah, bien fait le dead guy. Bien fait pour toi, The Lighthouse. Et ben voilà, c'est bon, on a fini on le niveau. On a fini ce chapitre-là. The Little Frog, c'était très rapide. Attends, c'est déjà fini? Et c'était très fun. En fait, est-ce que c'est pas par hasard des petites tranches de vie si, qu'on c'est ça. Va faire? C'est des mini-épisodes en fait.
Et on est revenu. Nous sommes de retour dans la maison. Et on dirait que c'est un peu la maison mère où on va pouvoir faire chaque niveau. Ok, donc du coup, c'était un niveau assez rapide à faire, mais c'était sympa. C'était dans cool. La nature pour une fois. Il y avait des dindons, ça faisait très peur. On s'est fait attaquer par le dindon de la farce. Non, je rigole. Voilà. Est-ce qu'on c'est a toujours compris l'histoire ? Non, toujours pas. On n'a rien compris. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode prochain ou alors une vidéo. On verra. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez un petit like et tout. Abonnez-vous à nos comptes Instagram, Twitter. Non, on n'a pas Twitter, mais on a Twitter. Faut qu'on trouve une outro incroyable. Non, on arrête de faire des trucs, c'est nul. Il va rien se passer. Oh, Axel, j'ai un cochon sur ma tête. C'est un hippopotame. Ah merde.